Aujourd'hui, on va voir une petite attaque spéciale par un spécialiste du Clash of Clans, Monsieur Enzo. Au niveau HDV, combien? 50, 56. Ah, il peut nous l'écrire. Il peut nous l'écrire quelque part. En fait, il est muet. C'est direct l'attaque. Voilà, une attaque des spécialistes. Donc on va voir ce que ça donne. Donc l'objectif c'est d'avoir au moins une étoile, parce que pour monter un peu dans les rangs, donc arriver au rang, je crois que c'est cristal, non? C'est comment s'appelle ce rang-là? Le violet. J'ai complètement oublié. Bon, en fait, là, c'est on est en violet 2 et on veut passer en violet 1 avec une technique spéciale d'attaque. Donc la recherche de village, qui, bon, comme on a vu sur les précédentes vidéos, peut prendre du temps. Donc on va prendre le temps que ça prendra, mais le but c'est de monter de façon sécure. Pour être sûr que l'attaque va passer. Donc là, ça coûte. Oui, ça c'est une nouvelle nouveauté. Ça coûte 1000 pour passer les villages, pour scanner les villages. Donc là, comme on avait 2000, 200 000, on pourra en scanner 200. J'espère que ça va. On va y arriver. Donc là, oui, genre, ça a l'air d'être une bonne défense. Donc j'ai des noms bizarres. Jack, ça c'est plus standard. Jack a un HDV. Oula, bon, ça c'est même pas la peine. Ça c'est village de pro. Ça, ouf, non, c'est risqué ça. On peut passer, hein. On n'est pas pressé de toute façon. Il y aura toujours des villages qui attaquent. Bon, bah, on recharge le jeu, hein. C'est pas très grave. C'est des choses qui arrivent. Je sais pas si je suis le seul à avoir ces déconnexions. Parce que ma tablette n'est pas très puissante. Je n'ai pas donné les spécifications à la tablette. Une petite tablette Acer qui date de 3 ans. Donc, pas fait pour Clash of Clans. Pas du tout. On a des petits ralentissements. On a des nuages blancs là, qui s'éternisent entre deux passages. Ah, bon, on regarde encore. Bon, là, c'est des villages de pros. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas vu encore d'HDVD, oui, à l'extérieur. Pour être sûr de faire du trophée. On passe. Donc, vous allez voir la différence entre mes attaques et une attaque de spécialiste. Oh, là, c'est un. Il est où l'HDV? Ah, c'est bon, on peut y aller. C'est parti. Ah, j'ai pas mis le son. Bon, c'est pas grave, on va le faire sans son. Pour l'instant, il n'y a aucune différence avec ma technique, sauf que j'envoie pas le barbare. Ici, d'habitude, j'envoie les petits dragons. J'en envoie 5. Ah, il y a quand même un archer. C'est bien vu. Donc, c'est tout, juste ça. D'accord, bon. Classique, pour monter un peu. Après, je sais pas si on va chercher les élixirs. Ah, ou l'élixir noir. Ça peut être bien de rentrer à l'intérieur. Je sais pas si c'est possible. Nous allons voir ce que ça donne. Déjà, là, voir où il y a des petites faiblesses. Où est-ce que le roi peut aller? Peut-être un petit élixir de vie. Hein. Non. Ah bon, d'accord, ok. C'est une petite attaque en loose dé. Ok, bon, bah pourquoi pas. Donc voilà. Bon, bah super, on est bien monté, c'est une attaque sans risque, pépère, peut-être meilleure que la précédente. Donc on va s'arrêter là. Alors, on va arrêter la vidéo.